Merci, merci, merci. Merci vraiment. Ah, merci. Ça va, ça va. Ils adorent rien. Merci les amis. Attends la blague, hein, quand même, attends la blague. Putain, les amis, c'est un bonheur d'être là. Franchement, c'est la quatrième, en effet, et vraiment, pour le coup, c'est un de ces cadeaux d'anniversaire, parce que j'ai eu 40 ans il y a une semaine. C'est un bonheur de pouvoir jouer devant vous ce soir. C'est vrai que je suis au bout de ma vie, mais je suis tellement content. Vous êtes un public incroyable, tout le monde est heureux derrière, je peux vous dire, de jouer devant vous, c'est vraiment génial. 40 ans, c'est un drôle d'âge, ceci dit. Moi, j'ai l'impression d'être... Je suis un peu coincé entre deux générations. Je suis vraiment entre les 20 et les 60, quoi. C'est un truc un peu... J'ai l'impression d'avoir un pied dans les deux, quoi. Tu vois, genre, j'écoute du Jul, mais je garde quand même un œil sur ma prostate. Tu vois, vraiment, je suis un truc sur... Je sais que c'est... Il y a les vieux dans la salle qui font enfin un sketch qui me parle. Vraiment. 40 ans, c'est quelqu'un pour mon anniversaire, je vous crois, il m'a dit, voilà, si tu veux, on va fêter ça dans un club échangiste. Je sais pas, bien sûr, 40 ans, et l'échangisme, ça aurait pu me tenter quand j'étais jeune, tu vois. Aujourd'hui, l'échangisme, je crois que je préfère juste le troc, vraiment, tu sais quoi. Honnêtement, si tu me dis, ouais, tu veux que je te présente ma femme, non, mais par contre, si t'es un petit gaufrier, ça serait vraiment pas mal, quoi, tu vois. Là, je vous promets, vous le voyez pas, mais j'ai plus un corps pour me déshabiller en public, quand même. Quand je suis chez le médecin, il me dit, ouais, vous voulez pas remonter votre t-shirt, je dis, vous voulez pas tamiser la lumière, vraiment, parce que je suis vraiment. La dernière fois que j'étais à Ibiza, je me dis, putain, j'ai plus un corps pour être à Ibiza autour d'une piscine, quoi. Là, j'ai un corps pour être en Poitou-Charentes autour d'un étang. Enfin, c'est vraiment le corps que j'ai en ce moment. J'étais rentré d'Ibiza, ma meuf de l'époque, elle m'a fait, je suis sûr que tu m'as trompé, Ibiza. J'étais, écoute, ne remue pas le couteau dans la plaie, hein. Vraiment, j'ai tout donné, tu vois, vraiment. Chaque fois que je pars à Ibiza, comme ça, tu vois, je me dis, j'arrive à Ibiza, je me dis, à la conquête des femmes, tu vois. Conquête des femmes. Sauf qu'à Ibiza, il y a personne qui connaît France Inter. Hein. Franchement. Hey. Moi, je suis juste un Belge, hein, à Ibiza. Et les Belges, ça n'a jamais fait rêver qui que ce soit dans le monde. Hein. Il n'y a jamais deux femmes dans le monde qui se sont dit ah, « Tu vas coucher avec un Belge !»« Oh, un Belge !»« Caliente !» Jamais, hein. On est un moche peuple, hein. Franchement, physiquement, on est laid. Physiquement, il n'y a aucun pays qui nous envie, à part Luxembourg. Et encore, et deux, trois cantons en Suisse. Mais sinon, franchement, ouais. Les gars, je suis passé en train. À la conquête des femmes à Ibiza. La dernière fois, j'étais parti avec des potes, on s'est dit, tu sais quoi, conquête des femmes. On avait loué un SUV, tu vois, pour être comme dans la série Entourage et tout. On arrivait à l'aéroport et ils nous ont donné une Opel Zafira. Vraiment. On voulait être dans Entourage, on était dans une famille formidable. Je te dis franchement. Et une Zafira, c'est bien, hein, franchement, quand tu dois transporter un grand chien. Tu vois, mais... Si tu veux ramener une meuf de boîte, elle fait « Non, ça va, je vais attendre qu'il m'arrive un truc grave. » Vraiment, mais merci, hein, vraiment. Conquête des femmes. Tout petit, on était drillé, ma génération. Je dis, j'ai 40 ans, je suis dans 81, tout petit. Moi, j'étais drillé au conquérir les femmes comme une espèce d'objet ultime. J'avais toujours, à 12 ans, j'étais prêt. À 12 ans, j'avais toujours un préservatif avec moi, tu vois, dans la poche arrière de mon pantalon. À 12 ans, tu vois, au cas où, tu vois. Je me dis, au cas où, tu vois. Au cas où quoi? À 12 ans, j'ai perdu mon pucelage quand j'avais 19 ans. Quand j'ai sorti le préservatif, il ressemble à Tom Hanks en Seul au monde. Tu vois, il avait une barre comme ça. Je dis, franchement. On était drillés, hein. On était drillés à ça, tu vois. C'était valorisé socialement pendant très longtemps, tu vois, conquérir les femmes et tout. On a tous vu James Bond, hein, coucher avec 7 meufs par le film en buvant de la vodka martini. Je sais pas, tu regardais James Bond un peu? Tu te rappelles de quelqu'un qui t'a dit oh, il a l'air tellement malheureux, ce garçon, vraiment. Ce qu'il lui faudrait, c'est un foyer, vraiment, et un dalmatien. Vraiment, ça c'est. Coucher avec autant de femmes, ça a dû lui faire mal à ses articulations. Non, personne te dit ça, tu vois. On a grandi et quand je vous raconte un truc, ça change, hein, le nouveau James Bond, ça change, etc. Les jeunes arrivent avec des nouveaux codes, la nouvelle génération. Mais on vient de loin, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'étais en télé, je vous promets que c'est vrai, sur France 2, il y a la présentatrice qui me dit « Guillermo, l'acteur Warren Beatty aurait couché dans sa vie avec 12 775 femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire ?» J'étais là « Putain, il y a des caméras partout, ne dis pas ce que ça t'inspire réellement, tu vois, franchement. » Puis j'ai pensé « 12 775 femmes, c'est quoi ce... C'est quoi ce chiffre? Je crois que le premier truc que je me suis vraiment demandé, c'est s'il a fait quelque chose de spécial pour la 10 000e, tu vois? Genre. Est-ce qu'il a au moins fait une fête de quartier, je sais pas, avec des food trucks, tu vois, des mariachis? Est-ce qu'elle a au moins eu un pins, tu vois, pour dire c'était moi, quoi? Et puis j'ai creusé l'histoire, il s'avère que Warren Beatty s'est marié, il s'est casé à un moment avec Annette Bening, qui est une actrice aussi, ça veut dire que forcément, à un moment, ils ont eu cette conversation qu'on a tous, hein, dans nos couples respectifs, là, sur le nombre de partenaires qu'on a connus avant l'autre, quoi. Ils l'ont forcément eu cette conversation. Et j'aurais tellement aimé être dans la pièce au moment où elle lui a dit « Allez Warren, tu peux me dire plutôt 10, plutôt 50 ?» Et qu'il a dit « Non, honnêtement, plutôt 12 774, vraiment !»
Et qu'elle a répondu, ok, laisse-moi juste penser à faire une petite prise de sang quand même, attention, franchement. Et cette conversation-là, tous, les amis, et l'important, hein, sur le nombre de partenaires qu'on a connus avant l'autre, on a tous cette conversation dans le couple respectif. L'important, c'est pas le nombre, les gars. L'important, c'est de rester constant. C'est-à-dire que si t'es à 152, c'est pas grave, hein, la personne t'acceptera comme tu es. Mais si 4 mois plus tard, elle te repose la question et que t'es à 166, retiens ton nombre, hein, c'est le plus important, hein, franchement. Retiens ton nombre. Je vous dis, c'était valorisé socialement. Moi, aujourd'hui, ce serait ringard pour un mec de dire qu'il a couché avec 12 770. C'est bien parce que ça enlève une espèce de pression sociale aussi au mec. Toi, c'est super. En plus, de toute façon, mon corps, il m'envoie des signaux qui sont assez clairs. Mon corps, il me dit, pour la séduction dans le futur, pense mot fléché. Mot fléché, c'est tout ce qui t'attend. Genre, il n'y a pas longtemps, j'arrivais encore à refaire l'amour juste après avoir joui. Il n'y a pas si longtemps encore. Tu vois. Aujourd'hui, je jouis et je dis, on va le refaire. Hein. Laisse-moi juste une petite semaine. Tu vois, le temps de reprendre un peu des forces. J'ai 40 ans, je suis sur une sexualité déclinante qui fait vraiment mal au cœur. Quand parfois je rentre avec une femme à la maison pour me donner du courage, je me dis, elle, tu vas la paralyser. Et en fait, non, hein, franchement. Sérieux, tu crois que tu vas paralyser les gens et derrière tu bandes mou. Et c'est triste, hein. C'est triste, le quartier est triste, les enfants pleurent. Les feuilles tombent des arbres, les magasins ferment, les voitures démarrent plus tellement c'est triste. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le punilingus. Tu peux pas débander de la langue, tu vois, c'est plus compliqué. C'est vrai. Et puis, ça fait toujours plaisir, le punilingus, non? Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Ça met... Attends, t'es pas d'accord sur les gilets jaunes? Tu fais un petit punilingus, ça change la dynamique du repas, c'est vrai, hein? Et ça fait toujours plaisir, non? Moi, je parle sous le contrôle des femmes, oui ou non? Ouais, en fait, quoi, je me rappelle pas avoir les chiens clitoris avec une meuf qui me fait eh ben, c'est reparti, point cunilingus, voilà. Eh ben, voilà, voilà, voilà. Dis, ça t'embête si j'en profite pour faire mon administratif ou pas? Parce que franchement, là. Comment c'est trop humiliant pour un homme quand tu peux pas performer, quand on t'a appris par où il faut être dur tout le temps, avoir des érections, machin, et c'est de la faute de Jésus. Alors, ça paraît contre-intuitif, je sens, dans vos yeux, mais c'est vrai, Jésus, il s'est pas occupé de sexualité, il s'occupait de plein de choses, de fraternité, d'amour entre les peuples, etc., de plein de choses, d'amitié, mais jamais de sexualité. Si Jésus s'était un peu occupé de sexualité, il aurait été dans la compassion, il aurait dit, oui, je bande mou. Oui. Ceci... et ma demi-molle. Alors je t'en fais offrande, alors c'est pas idéal pour la pénétration, mais tu peux t'en servir comme boudin de porte, et ça c'est vraiment... S'il y a un courant d'air, et ça c'est vraiment... Et Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui avait tout compris, parce que 40 ans, il les a jamais eus. Merci d'avoir été là, vous avez été top les amis, merci beaucoup.